Je me présente, je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ Cosmique, l'Homme Vert ou Merlin l'Enchanteur. Voilà. J'incarne l'énergie du Christ Cosmique, ce qu'on appelle le Christ Cosmique. C'est pas Jésus, hein, il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Jesus spoke to the Pharisees again. I am the light of the world. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Le but de cette marche, c'est d'instaurer la paix universelle dans le monde. Donc d'obtenir en fait la reddition de la papauté et de tous les gouvernements dans le monde entier afin que nous puissions désarmer l'échelle de la planète. Donc justement, on va passer à Rome pour destituer le Vatican et proposer au pape donc de prendre sa retraite, il ne sera pas remplacé. À gauche, une photographie en vue aérienne du crop circle du 19 juillet 2016 à Reigate Hill, près de Londres. Remarquez les traces de roues de l'engin agricole qui passent à hauteur de l'un des yeux du portrait de l'être gris et en même temps par-dessus des plumes. La plume est aussi dans le passé lointain, la plume qui sert à écrire les manuscrits, par exemple, recopier des Bibles dans des monastères. Le personnage central correspond à un personnage inconnu sur une peinture ou enluminure. Je ne sais plus, il faudra faire la recherche. Cette image est célèbre et a été l'objet de nombreuses spéculations dans le christianisme. Qu'a voulu représenter la personne qui a fait ce dessin? L'image de droite est une image d'une... création importante au Vatican représentant le Saint-Esprit qui selon moi n'existe pas, c'est une imposture, ayant appris à communiquer avec la source Dieu, celle-ci m'a dit également que le Saint-Esprit n'existe pas. Ce soir, le président de la République, François Hollande, n'annoncera pas aux Français, lors de ses vœux pour l'année 2014, ce dont je l'ai informé depuis de nombreux mois maintenant et qui est très grave, l'invasion extraterrestre de la Terre par un groupe extraterrestre qui est en rapport direct avec le christianisme. Je suis venu aussi pour soutenir la candidature de Paris pour 2024. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés ici au Brésil, je ne veux pas les ignorer. Cristo Redentor. And the view of Rio de Janeiro.